Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème de taille qui pour moi est le problème d'acné. Alors je voulais vous en parler parce que ça a été mon cas pendant des années. Et quand j'avais ce problème, je me disais toujours, si un jour je trouve la solution, je le dis à tout le monde. Parce que quand on est complètement défiguré par des boutons horribles dans tous les sens et qu'on a tout essayé et qu'il n'y a rien qui marche, qu'on est complètement désespéré, franchement, j'étais limite dépressive hein, parce que moi, l'acné chez moi, elle est venue très tard. J'avais plus de 20 ans. Donc quand on est une femme active, qu'on fait un travail en plus qui était au contact de la clientèle, ça fout un peu mal. Et franchement, il y a eu des moments où j'étais vraiment désespérée et je ne savais plus quoi faire. J'avais des gros boutons sous la peau. Enfin, bon, ceux qui sont concernés savent exactement de quoi je parle. Et j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. C'est-à-dire que j'ai essayé des choses qui venaient de l'extérieur pour me soigner à l'intérieur finalement. Donc j'ai essayé des médicaments, j'ai avalé des tonnes de pilules, j'ai avalé des antibiotiques, j'ai changé de pilule. J'ai pris, à l'époque je prenais la pilule, donc la Diane 35, le truc, le machin. Après j'ai essayé les produits décapants sur le visage, j'ai essayé toutes les crèmes anti-acnéiques possibles. J'ai tout essayé, en plus j'étais dans la partie, puisque moi j'étais en pharmacie, donc j'avais accès à tout ça, et puis j'ai vraiment essayé tout ce qui était possible sur le marché, et j'ai même un peu fait le cobaye pour pas mal de choses, et rien n'a fonctionné. Donc à force d'essayer de chercher à l'extérieur qu'est-ce qui pouvait me soigner, je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Avec mon mode de vie. Est-ce que je ne devrais pas essayer de trouver la réponse en moi et qu'est-ce que je fais qui est pas bien? Et là, j'ai commencé, on va dire, à rechercher pas mal de choses sur le sujet. Et en parallèle, bah, bien sûr, j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps des problèmes ORL. Donc, il n'y avait pas que l'acné qui me posait des problèmes. Il y avait aussi les angines à répétition, les rhumes, les allergies. Donc, tout ce qui était problème ORL. Alors, ça, c'était sans arrêt, sans arrêt. Et donc, la réponse est venue grâce à un médecin chinois qui m'a gentiment dit que j'étais complètement intoxiquée au laitage. Et il m'a fallu du temps déjà pour comprendre et pour assimiler ça. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est la dernière chance parce que j'avais vraiment tout essayé. Et vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et du coup, parce que cette acné a quand même duré assez longtemps, je ne sais pas combien de temps je me suis trimballé ça, au moins presque 3 ans, je crois. Je devenais folle, mais vraiment folle, hein. Et je camouflais tous les matins, je passais 1 heure à camoufler mes boutons pour pas que ça se voit. Et plus on camoufle et plus après il y en a. Enfin, c'est vraiment le cercle, on n'en peut plus. On prend des produits décapants pour le visage, mais ça nous dessèche complètement. Donc on a une peau, on dirait qu'on pèle sur le visage. Enfin, vraiment, c'est. Je comprends et je compatis vraiment toutes les personnes qui ont de l'acné sur le visage parce que je sais à quel point. C'est désagréable et surtout quand on ne sait plus quoi faire, on a l'impression d'être impuissant face à ça. Et donc moi, les deux choses, pour moi, les deux solutions pour ne plus avoir d'acné, c'est vraiment deux remèdes miracles. C'est pas des remèdes, c'est juste d'arrêter deux choses essentielles dans notre alimentation et qui ont fait toute la différence chez moi, qui ont fait que je n'ai plus eu jamais un seul bouton, si, sauf que quand j'en ai remangé, parce que bah, du coup, ça s'est ressorti. Donc en premier, comme je vous l'ai dit, c'est d'arrêter les laitages. Donc ça, tout ce qui est lait et dérivé de lait, donc que ce soit le lait qu'on boit, que ce soit les yaourts qu'on mange, voilà, tout ce qui est à base de lait de vache, c'est à bannir complètement.
Et là, il va y avoir vraiment une différence au niveau de votre peau en général. Elle sera plus grasse, il n'y aura plus de boutons, il n'y aura plus tous les pores dilatés, les points noirs, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir. Les problèmes ORL aussi vont disparaître parce que ça va de pair. Et la deuxième chose que j'ai arrêté aussi, et j'ai vraiment vu la différence, et c'est là que ça a vraiment entièrement tout stoppé, c'est le gluten. Voilà, le gluten, tout ce qui est dans le pain, les pâtes, tout ce qui est à base de blé, les viennoiseries, les plats préparés, enfin tout ce qu'on peut retrouver avec du gluten. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus sur le gluten, donc vous pouvez aller voir pour comprendre plus en détail. Et donc pourquoi le gluten et le lait, je les ai bannis complètement de mon alimentation, parce que à la base, ça forme des cols et du mucus, et c'est ça qui va créer en fait tous ces boutons, parce que la peau, enfin l'organisme n'est pas fait pour les digérer, il n'y arrive pas, donc il les rejette comme il peut. Alors chez certaines personnes, ça va créer des problèmes comme de l'acné. Chez d'autres, ça va créer tout ce qui va être problème ORL, mucus. Voilà, il va falloir en fait que le surplus de cette molécule, de cette colle, puisse s'évacuer d'une façon ou d'une autre. Alors voilà, donc ça va se manifester de différentes manières en fonction des sujets et en fonction de ce qui va être bouché, parce que plus on va avoir des émonctoires qui vont être bouchés et plus les portes de sortie vont essayer de en fait le corps va essayer d'évacuer par les portes de sortie qui fonctionnent. Celles qui fonctionnent pas, qui sont bouchées, bah ça peut pas sortir. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des émonctoires peau qui vont être bouchés, donc justement bah, ça va essayer de sortir autrement, ça va essayer de sortir ailleurs, donc par toutes les complications ORL qu'on peut connaître. Après, ça peut également se mettre dans les articulations et faire des problèmes d'arthrose. Donc voilà, c'était vraiment pour parler de ce sujet, parce que moi à l'époque, quand j'avais mes problèmes d'acné, je me suis toujours dit, je me suis toujours juré d'en parler si jamais je trouvais la solution. Et comme maintenant je l'ai trouvé et que je sais vraiment que ça venait de là, entre autres, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi également qui sont à prendre en compte, c'est sûr que si on arrête le lait et le gluten, mais à côté qu'on continue à manger des chips, des produits pleins d'additifs et de conservateurs et de colorants, bon, ça va pas, on va pas avoir une amélioration, on va dire, qui va être à 100%, mais déjà on va avoir une super amélioration. Donc vraiment, faites-vous violence pour essayer, au moins essayer, même si vous dites non, je vais jamais y arriver, etc. Mais si vraiment c'est le dernier recours, je vous jure que ça fonctionne. Enfin, ça a fonctionné chez moi, ça a fonctionné chez plein de personnes. J'ai plein de témoignages de gens chez qui ça a fonctionné. Donc juste essayez, essayez un mois ou deux. Bon, c'est long à se débarrasser de toutes ces colles, hein, c'est assez long. Mais essayez au moins de le faire, de tenir vraiment bon sur un mois ou deux, et vous arrêtez totalement tout ce qui est lait et gluten. Je sais que ça va être embêtant parce que votre mode de vie va changer. Donc remplacez le lait par des laits végétaux, lait de riz, lait d'amande, lait de noisette, tous les laits végétaux sauf le lait de soja bien entendu, et ensuite remplacez votre gluten par des céréales sans gluten, donc soit du maïs, soit du riz, éventuellement de l'épeautre qui est quand même beaucoup plus digeste pour l'organisme que le blé, même s'il contient un petit peu de gluten, c'est un gluten qui est soluble dans l'eau, donc il n'y aura pas de problème. Et après, les pommes de terre, par exemple, aussi, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez en consommer aussi. Donc, remplacez tous les pains, les gâteaux, essayez de prendre des choses sans gluten. Et puis, les laits, remplacez-les par des laits végétaux, des yaourts végétaux aussi. Il existe des yaourts au riz. Je sais qu'il existe aussi des yaourts au soja, mais je ne suis pas très pour le soja. On va dire que si c'est pour faire une transition, pourquoi pas. Mais voilà, faites-le, vraiment faites-le. Comme je vous dis, ne me croyez pas sur parole, essayez de vous-même pour vous en convaincre vous-même, puisque moi j'ai été convaincue quand je l'ai fait, et j'y croyais pas au début, hein, c'est pareil, je me suis dit, bon, encore un truc, ça va pas fonctionner,
Et puis on attend tellement que la solution vienne de l'extérieur. C'est tellement plus facile de se dire, je me gave de produits chimiques toute la journée, et puis à côté, bah c'est pas grave, je vais prendre des médicaments qui vont régler les problèmes que je me suis causés. Mais bon, il y a un moment donné où l'organisme, il n'y arrive plus, et puis les remèdes ne sont pas assez puissants, et puis on fait des résistances à tous les médicaments et à tous les antibiotiques, et après, au bout d'un moment, on s'intoxique avec les médicaments. Donc c'est pas une solution non plus d'attendre une solution de l'extérieur. Franchement, prenez votre santé en main, prenez-vous en main, faites les choses comme elles doivent être faites, si, comme si on était dans la nature. On ne mange pas toutes ces céréales qui ont été, surtout le blé moderne aujourd'hui, il a été génétiquement modifié, tellement modifié que l'organisme ne sait pas l'évacuer et ça crée des colles pas possibles dans l'organisme. Et après, le lait aussi, c'est le même problème avec toute la technologie d'aujourd'hui, la façon dont on produit le lait, etc. Si c'est du lait fermenté comme il était fait à l'époque, oui, pourquoi pas, parce que les ferments sont très bons à l'intérieur, mais on retrouve plus maintenant ce lait, il est stérilisé à fond, ce qui fait que le lactose est encore plus présent. Et qu'on n'a plus l'enzyme pour digérer le lactose. Donc, tandis que quand on le fait fermenter, le lactose, il y est plus. Il est mangé par les bonnes bactéries. Et donc, voilà. Donc, moi, je parle de remèdes, mais finalement, ce n'est pas des remèdes. C'est juste enlever deux choses de votre alimentation et de vos habitudes. Enlevez juste ces deux choses. Et je vous jure, votre acné va complètement disparaître. Et ça, pour toujours. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut!